Salut à tous, c'est Playboy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ma collection de Master System. Alors c'est un youtubeur qui me suit sur mes réseaux sociaux, enfin sur YouTube, et que je suis aussi. Un petit youtubeur hein, qui a 150 abonnés qui s'appelle Envrak. Comme ça s'écrit, c'est E-N-V-R-A-K je crois. Au pire, regardez dans mes abonnés. Et qui a fait une vidéo dessus et je me suis dit, tiens, mais pourquoi je ferais pas aussi ma vidéo de Master System, parce que c'est une console qui me tient à cœur. Et du coup, bah voilà, grâce à lui, je l'ai fait. Donc, c'est pas que je la dédicace à lui, mais voilà, en vrai, si tu vois cette vidéo, bah c'est un peu grâce à toi que j'ai décidé de la faire. Alors, la Master System, bon, moi j'ai la deuxième, hein, j'ai la Master System 2. Bon, vous voyez que j'ai cassé le truc pour fermer, mais c'est pas très grave. Et pourquoi alors que j'ai la deuxième? Alors, j'avais la première à l'époque, mais je l'avais perdu, je sais pas ce que j'en ai fait. Et il m'en manque une de Master System, du coup c'est Kylian, mon ancien ami, qui me l'avait donné. Du coup bah, j'ai la 2, et ce qui est bien avec la 2 c'est que dedans on a Alex Kidd qui est disponible directement à l'intérieur de la console. Donc du coup c'est vraiment cool. Moi la Master System c'est une console que j'ai eu en même temps que la NES. Alors j'avais eu la NES, donc forcément j'avais joué à Mario. Et quelques temps après, vu que mes parents étaient séparés, ma mère m'a acheté une Master System. Et c'est vrai que la Master System, ben, j'avais pas joué tant que ça, parce que forcément, quand j'avais une NES et que je jouais à Mario et que j'étais fan de Mario, ben, Sonic, ça n'existait pas encore et il n'y avait pas énormément de jeux sur Master System qui m'intéressaient. Et c'est après, au final, quand il y a eu la Super Nintendo, que ma mère m'avait acheté plein de jeux NES, puis ça avait été bradé à l'époque, de Master System, et où j'ai vraiment commencé à y jouer. C'était vraiment la sortie de la Super Nintendo, donc j'ai vraiment joué très tard. Bon, on va commencer de suite, allez, avec le premier jeu, Master System, Astérix. Alors, franchement, un super bon jeu, Master System, vraiment très surpris. Je me souvenais, parce que je les ai tous refaits il n'y a pas longtemps, hein, il y a moins d'un mois, et j'ai été très surpris. Vraiment, il est très beau, il est très fidèle au dessin animé, et franchement, le gameplay est pas mauvais, vraiment très sympa, je l'ai même réussi à le finir, il a bien vieilli, vraiment sympa. Après, on a un jeu de foot, World Cup Italia 90. Alors, franchement, bah, ça a mal vieilli. Hein. C'était peut-être bien à l'époque, mais quand j'y ai joué, on dirait un peu du. Je l'ai sur PS4. Comment il s'appelle ce jeu? Kick-off, voilà. C'est un peu dans le style de Kick-off, mais bon, voilà, c'est un jeu de foot, hein, y a rien de spécial à raconter. Après, nous avons Alien 3. Super jeu. Alors, franchement, je me suis régalé. Je l'ai fini en entier quand j'y ai rejoué. À l'époque, j'avais galéré à y jouer, mais là, franchement, je me suis vraiment amusé. Vous incarnez un militaire qui doit survivre contre des aliens. Et vraiment très sympa. Il fait assez peur quand même pour un jeu de l'époque, dans le sens où vous êtes vraiment vulnérable contre les aliens, mais très sympa. Zool, Ninja of the Deep and the Night Dimension, je crois que ça se dit. Ben, on va dire Zool, hein, de toute façon. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas trop aimé. C'est un genre de jeu platformer, un peu à la Rayman, à la Mario, enfin, avec un ninja, j'ai pas été fan, franchement, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup joué. Vigilante, une tuerie, pareil, je l'ai fait à 100% à l'époque, je l'ai démoli, là je l'ai refait la dernière fois et je l'ai refini. En gros, c'est Double Dragon, mais en meilleur pour moi. Moi, je préfère Vigilante à Double Dragon, sincèrement. Vraiment une tuerie, vraiment, je sais pas si je vais mettre des extraits pour vous montrer. Je vais voir. Peut-être pas sur tous les jeux. Mais en tout cas, les jeux qui me tiennent à cœur, peut-être je mettrai des extraits. Super Monaco GP. Alors, je suis désolé si ma voix est morte. Hein. Il neige à Marseille. Je vais vous faire une vidéo dans très peu de temps. Et j'ai la crève. Super Monaco GP. Bon, ben, un jeu de Grand Prix, hein, rien de spécial. Mais très sympa, franchement. Ouais, c'est cool. Bon, tu joues 10 minutes, hein, mais c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Fear or Forget 4, je crois. Non, 2. Alors, franchement, il est super bien. Alors, c'est un mélange de Outrun et de Space Harrier. C'est ça. Très sympa, vous avez une petite voiture, je mettrai un extrait de toute façon. Et vous devez détruire des... Oui, désolé, ma caméra s'est coupée. Donc voilà, Fear Forget 2, franchement, un très très bon jeu. Franchement, j'ai bien aimé. Après, on a Shinobi. Alors vraiment très sympa, moi vous savez que j'adore la licence Shinobi et franchement celui-là j'y ai rejoué, ça va, il n'est pas si dur que ça. Pourtant ils sont connus comme étant très très durs les Shinobi. Mais ça va,
J'ai pas trop galéré à le finir. Après, nous avons... bah, attends, je vais peut-être les mettre de côté, celle-là, pour les présenter, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, on peut le mettre avec celui-là. Celui-là aussi. Voilà. Lotus 2. Alors, celui-là, c'est un jeu de bagnole, hein, tout ce qui est le plus classique. Il est sympa, mais voilà, c'est un peu du outrun, mais en moins bien. Mais ça va, ça reste un bon petit jeu Master System. J'ai bien aimé quand même. Ça reste un bon petit jeu, même si je préfère largement les outrun. Après, nous avons ici Dick Tracy. Voilà. Qui est un jeu de plateforme. Un peu... ouais, je vais pas dire la Metal Gear, mais c'est un jeu de plateforme, ouais, où on tire un genre de beat'em all, plutôt. Sympa, mais pas, j'en garde pas un souvenir de ouf. C'était, ouais, ça va, ça passe. The Cyber Shinobi. Alors, c'était un Shinobi, mais avec des robots. Alors, franchement, j'ai pas trop aimé. Vraiment pas du tout. Ben, voilà, déjà, Shinobi, c'est à l'époque, pas médiéval, mais c'est l'époque des ninjas. Et là, c'est des ninjas robotisés. Ouais, bon, c'est pas nul, hein, mais on voit vraiment qu'ils ont vraiment essayé de faire plein de choses avec leur licence Shinobi et c'était pas terrible. Afterburner, hein, forcément, très très bon jeu d'avion, peut-être un des premiers jeux vraiment 3D avion. C'est 3D 2D, mais c'était vraiment sympa. Il est très beau, hein, en tout cas pour de la Master System. Vraiment, je me suis beaucoup amusé dessus. Donald Duck, donc Donald, très bon jeu, franchement très sympa. C'est un jeu un peu comme. Bah, Astérix ou les Stroumpfs, enfin, dans ce style-là. J'aime beaucoup. Ah merde, j'ai un jeu Mega Drive, c'est le Sonic, mais on va pas le présenter parce que là c'est que les Master System. Double Dragon, bah forcément, hein, une tuerie vraiment très sympa. Je suis vraiment amusé à le refaire. Mais je préfère quand même Vigilante, comme je vous ai dit, mais ça reste quand même la base des Beat'em All de l'époque, bien avant Street of Rage. Après, nous avons Ave Wings Champ. Un jeu de boxe, hein, rien de plus classique, hein, avec Mike Tyson et compagnie, bon, sympa, hein, mais on fait vite le tour, quoi. Michael Jackson, Moonwalker, alors franchement, moi je préfère la version Mega Drive, mais de loin, mais alors la version Master System, bah, elle est pas si mauvaise que ça, en termes de graphisme, elle est assez jolie. Après c'est les musiques, c'est vrai que les musiques entre la Master System et la Mega Drive, il y a une évolution, mais ça va, ça reste quand même un bon jeu. Summer Game, hein, bon ça vous connaissez, hein, c'est tout ce qui est track and field, très sympa, franchement, tu joues de temps en temps ou avec des potes, franchement ça passe bien, moi franchement je suis bien amusé quand j'y ai rejoué, bon tu joues peut-être une petite heure, mais c'est sympa, ça on va le mettre avec. Alors Running Battle, qui est un, alors attends que je me souviens, ah oui, très sympa aussi, Street of Rage, hein, voilà, ou Double Dragon, c'est pareil, très sympa, je mettrai un extrait. Je me suis vraiment extrêmement amusé dessus et surtout qui m'a extrêmement surpris. Black Beat, voilà, qui est un jeu, alors si je me trompe pas, enfin c'est un beat'em all, mais je crois que c'est une adaptation de Ken le Survivant. Je sais plus, je sais que George Grenier avait fait une vidéo dessus, je sais plus, mais en tout cas, ouais, c'est vite fait, ça avance de droite à la gauche, vous devez éliminer les ennemis. Bon, j'en garde pas un souvenir, en tout cas... Je n'ai pas un très bon souvenir. Alors là, petite déception. Castle of Illusion, Mickey. Alors j'adore ce jeu. Mais attendez, la lumière qui se barre, c'est pas terrible. Voilà. Castle of Illusion, alors moi je l'avais sur Mega Drive et là c'est la version Master System. Et ben j'aime pas la version Master System. J'aime pas, il est pas beau. Le gameplay est pas terrible. Le level design est mal foutu. C'est. Ouais, j'aime pas. Pourtant, je sais que tout le monde préfère la version Master System, mais moi, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment pas du tout aimé ce Castle Illusion, en tout cas, sur la Master System. Même si c'est un bon jeu, hein, mais je préfère la version Mega Drive. Golden Axe, hein, bon, pas besoin de le présenter, hein, le beat'em all à l'état pur, hein, vous incarnez des genres de warriors, enfin des chevaliers, hein, et des guerriers, quoi, en gros. Et très sympa, vraiment très cool, moi, j'ai bien aimé. Et on va finir par deux jeux, et après je vais montrer une licence complète. Handgun, je crois qu'on dit. Ouais. Un jeu de moto qui est génial. Alors c'est pas les créateurs de Outrun, en fait c'est le même principe que Outrun, sauf que vous êtes en moto. Et franchement j'adore ce jeu, je l'ai geeké pendant très longtemps quand j'étais petit, et même quand je l'ai refait la dernière fois, j'ai vraiment adoré. Terminator, alors...
comment dire, ouais, c'est sympa, mais c'est trop dur. C'est trop dur, les ennemis sortent de nulle part, on meurt en 3 balles, enfin. Ouais, j'ai un peu déçu. Et maintenant, on va passer à une de mes meilleures licences de cette console, hein, forcément. Il est où le premier? Il est là. Le Outrun, voilà, ici que vous pouvez voir, qui est un jeu de bagnole où en fait vous devez en gros satisfaire une blonde fille, quoi. Et vous êtes en voiture et vous devez l'impressionner. Alors dans le premier, on le ressent pas trop, mais vous devez aller tout droit, éviter des véhicules et passer le plus vite possible le checkpoint. Et par rapport à votre direction, si vous prenez à droite ou à gauche, bah, les décors changent. Très sympa. Après, ils ont fait la suite, Battle Outrun, où là vous pouvez modifier vos véhicules. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Là, c'est le même principe, sauf qu'on peut modifier nos véhicules et les booster. Après, ils ont fait Outrun Europa, qui est un Outrun, mais là où on visite bah, l'Europe, hein, comme c'est défini. Seulement, il y a les flics qui peuvent vous arrêter. On peut conduire des bateaux, des motos, des voitures. Enfin, il y a plusieurs véhicules, et c'est très sympa. Et celui que j'ai le plus joué, c'est Titan Chase AQ, qui est de la licence Outrun. Il s'appelle pas Outrun, mais c'est la licence. Où là, par contre, vous êtes un flic et vous devez détruire vos ennemis ou les espions, en gros, hein, vous travaillez dans la CIA, à coups de missiles, de mitraillettes. Vraiment très sympa, j'ai vraiment adoré. Donc voilà pour ma collection de jeux Mega Drive. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. J'ai 29 jeux Master System, donc très content de les posséder. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et merci surtout à Envrac de m'avoir donné envie. Bon, vous avez vu, là, je suis décoiffé de ouf. Hein. J'ai refait une vidéo comme ça, j'avais envie de la faire. Je l'ai fait vraiment vite fait. Mais j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Et vraiment, si tant que c'est dommage que ces gars aient arrêté de faire des consoles, parce que quand je vois vraiment, en fait, les jeux qu'il y avait sur cette console, c'était quand même quelque chose. Allez, sur ce, je vous laisse, les gars. Et j'espère que ça vous aura plu. Ciao.